Jeannette O'Keeffe. Elle avait 28 ans, elle était australienne, elle avait pris une année sabbatique pour voyager et elle adorait la France. Après 2 mois à Paris, direction New York. Mais elle n'y est jamais arrivée. On a retrouvé son corps enveloppé dans un sac de couchage sur un parking d'une cité des Mureaux dans la banlieue parisienne. L'enquête a duré 8 ans. 8 ans pour comprendre comment une succession de malchances, une série de petits pépins, a fait basculer une vie. En cette fin de matinée, la cité des musiciens aux Mureaux se réveille doucement. Il y a 48 heures encore, on fêtait le passage à l'an 2001. Ce 2 janvier, la cité est déserte. Steven, alors âgé de 12 ans, a donné rendez-vous à son cousin Damien pour aller promener le chien. On avait nos petites habitudes d'aller un peu derrière la colline, aller faire un petit peu notre petit tour à nous, parler, rigoler, et puis voilà. Et bah, quand il promène son chien, il l'attachait jamais, quoi. Il avait l'habitude de l'écouter, il sifflait, et puis il venait. Mais sauf que ce jour-là, bah, quand on l'appelait, il venait pas. Il avait senti quelque chose et il se dirigeait vers le parking qui était abandonné. Il voulait pas repartir de là où il était. On s'est dit qu'il doit encore manger quelque chose qui est par terre. Du coup, on est allé chercher, mais on voyait qu'il était là, il sentait, il grattait un sac. C'était un sac de couchage de camping, je crois. Et il était vert ou bleu. Le sac de couchage se trouve sur un terrain vague, jonché de détritus. Un coin où les habitants s'aventurent rarement, en face d'un petit chemin et de jardins ouvriers. Au départ, je me suis dit, est-ce que c'était un SDF ou pas? On ne savait pas du tout si c'était quelqu'un qui dormait ou qui était mort ou vivant. J'ai pris un bâton pour toucher, puisque je n'osais pas toucher avec la main. On était terrifiés quand on s'est dit, si jamais ça se lève, ça bouge et ça nous agresse, ça nous attaque, on ne sait pas à quoi s'attendre. Quand on était petits, on avait 12 ans, on avait peur. Les deux cousins courent prévenir le père de Damien. Il était un peu bizarre, un peu stressé en fait. Et il me dit qu'il y aurait quelqu'un dans un duvet, mais ça ne répond pas. Au début, je n'y croyais pas trop parce que, bon, ils ont tendance à exagérer un peu, les enfants. Mais au bout d'un moment, on s'est aperçu que les enfants étaient un peu blancs. Ma femme me dit, bah, descends voir quand même. Alain Brun laisse les enfants dans l'appartement et descend voir ce sac de couchage de plus près. Et arrivé en bas, bon, j'ai cherché un petit peu ce qu'il m'avait dit à peu près où c'était. Donc, je me suis approché, j'ai essayé de regarder, ouvrir en fait le duvet, la capuche. C'était attaché, donc j'ai réussi à défaire. C'est au moment que j'ai ouvert la capuche et que j'ai commencé à regarder, j'ai vu que c'était un corps, en fait. Il y avait des cheveux, il y avait du sang, il y avait un peu de tout. Donc ce que j'ai fait, moi, après, j'ai essayé de regarder exactement si ça bougeait, ça respirait, il n'y avait rien. Alain Brun appelle aussitôt les secours. Les pompiers arrivent les premiers. Ils coupent le cordon du sac de couchage noué autour du cou de la victime. Mais il est trop tard. Dans le duvet, le cadavre d'une femme. Alors, on s'est dit, c'est pas possible. Après un nouvel an, c'est incroyable. On peut pas penser à trouver un corps comme ça. C'est un endroit assez glauque. Un parking abandonné, avec des caddies abîmés, quelques détritus. Et le corps de cette pauvre jeune femme qui est là, qui n'a rien à y faire. L'ambiance était assez difficile pour nous tous. Tous les enquêteurs, même les pompiers présents, on n'avait pas l'habitude d'avoir affaire à ce genre de crime. L'affaire est immédiatement confiée à la police judiciaire de Versailles. Elle vient examiner la scène de crime et le corps de la victime avec le médecin légiste. À l'intérieur du sac de couchage,
On découvre le corps d'une jeune femme de type européen, les cheveux longs, assez mince. C'est une jeune femme qui a une trentaine d'années. Donc la victime est allongée dans le duvet, sur le ventre, sur son profil droit, les bras repliés. On constate qu'elle porte un t-shirt à sa taille classique, une chemise à carreaux très très grande, une taille qui ne semble pas lui correspondre, un bas de survêtement. On voit qu'elle a subi des violences physiques, puisqu'elle a pas mal de marques de coups au niveau du front, des tempes, au sommet du crâne. Elle a également des traces de strangulation au niveau du cou, donc on se rend compte que c'est une mort violente. Le problème, c'est que la victime n'est pas identifiée. On n'a aucune pièce d'identité à proximité du corps, et globalement, on n'a aucun effet personnel qui pourrait lui appartenir. Les policiers font le tour de la cité, photo du cadavre en main. Voisins, gardiens d'immeubles, personne ne reconnaît l'inconnu du sac de couchage. Et puis au bureau, les langues ne se délient pas facilement. C'est une ville à très grande concentration de logements sociaux. C'est un quartier très populaire avec des problèmes de délinquance et tout ce qui va avec. Donc, et c'est pas toujours facile de récolter des informations. On a juste ce sac de couchage, on a ses vêtements et c'est tout. Donc on n'a absolument pas d'idée de qui peut être cette jeune femme. L'enquête s'annonce compliquée. Que venait faire au Mureau cette femme que personne ne semble connaître ? Commissaire Jean-Marc Bloch, à l'époque, vous êtes à la tête de la PJ de Versailles et cette enquête s'annonce d'emblée difficile puisque vous butez sur un premier obstacle, la victime est inconnue. Effectivement, c'est un corps inconnu, c'est un corps X comme on les appelle. Pour essayer de l'identifier, on va bien sûr procéder très rapidement à des diffusions d'usage, des circulaires de recherche et on consulte le FPR, le fichier des personnes recherchées, pour savoir si ce cadavre qu'on a trouvé, qui a été trouvé au bureau, ne correspond pas à quelqu'un dont la disparition aurait été signalée dans les jours précédents. Dans les premiers jours, ces recherches ne donnent rien. Et est-ce que vous avez des images de vidéosurveillance, par exemple ? Alors, il y a 5 caméras de vidéosurveillance dans les parages, dans cette cité des musiciens au Mureau. On les examine bien évidemment toutes, on regarde tout ce qui a été enregistré par ces caméras de surveillance, ça ne donne strictement rien. Vous pensez qu'elle a été tuée sur place ? Non. D'abord, autour de ce duvet, il n'y a aucune trace qui laisse à penser qu'il y a eu une lutte, qu'il s'est passé quelque chose. Et puis, il a plu, on est le 2 janvier 2001, il a plu le 31, dans la nuit du 31 au 1er janvier, il a plu le 1er janvier aussi. Or, le duvet est sec, le corps est sec, il n'y a aucune trace d'humidité. Il est donc très vraisemblable que nous ne sommes pas sur le lieu de la scène de crime, ce qu'on appelle la scène de crime, mais sur un lieu de dépose de corps. Donc elle aurait été déposée pratiquement le 2 au matin, quoi, c'est ça le... Très vraisemblablement, dans la nuit du 1er au 2 ou le 2 au matin, elle a été déposée, mais comment, par qui ? Il n'y a aucune trace qui permette de relever une empreinte de chaussure ou une trace de pneu, il n'y a rien du tout. Pour déposer un cadavre là, est-ce qu'il faut connaître la cité des musiciens ou on peut avoir fait ça par hasard, si je puis dire, en passant en voiture, par exemple ? Tout est possible, on peut avoir fait ça en passant par hasard en voiture, encore que la Cité des musiciens, c'est un endroit un peu fermé, et à mon avis, il faut quand même être déjà venu sur place pour avoir l'idée d'abandonner un corps à cet endroit-là. L'autopsie, elle vous fait avancer ? Elle apprend que ce cadavre a pris des coups sur la tête avec un objet contondant lourd, mais que ça n'a pas causé la mort. Elle apprend également qu'elle a subi 2 strangulations, une manuelle et une avec un cordon assez fin. Elle apprend ensuite que le foie a été éclaté mais n'a pas saigné, ce qui peut laisser penser qu'il s'agit d'un éclatement post-mortem. Elle apprend également que cette jeune femme avait ses règles au moment où elle a été tuée, et puis qu'elle n'avait pris ni produits stupéfiants ni alcool. Est-ce que le cordon du sac de couchage peut avoir servi à l'étrangler ? Non, le cordon du sac de couchage est trop fin par rapport au sillon relevé sur le cou de la victime. Il s'agit d'un lien plus épais. Est-ce qu'elle a été justement victime d'une agression sexuelle ? L'autopsie ne permet pas de le dire, il n'y a aucune trace de violence sexuelle, elle a même un tampon, ce qui semble exclure qu'il y ait eu un rapport sexuel. Est-ce que vous parvenez à retrouver un ADN ? Alors,
Effectivement, on trouve même deux ADN. Dans le sac de couchage, il y a des poils, et sous les ongles de la victime, il y a, quand on cure les ongles, il y a des morceaux de peau humaine, comme si la victime s'était défendue. En général, c'est une trace de défense. Et en analysant et les débris qu'on trouve sous les ongles et les poils qu'on retrouve à l'intérieur du sac de couchage, les experts établissent qu'il s'agit de l'ADN, très vraisemblablement, du tueur. Pendant que la PJ de Versailles lance des investigations tous azimuts, à l'autre bout du monde, une famille s'inquiète. Des parents qui n'arrivent pas à joindre leur fille. Cette famille, c'est la famille O'Keeffe. Elle habite dans la banlieue de Melbourne, en Australie. Voilà 3 jours que les parents de Jeannette n'ont plus de nouvelles de leur fille. Après un séjour de 2 mois à Paris, elle devait se rendre à New York le 2 janvier. Jeannette avait prévu d'y retrouver un ami, puis sa sœur Denise, qui vit aux États-Unis. Mais le 2 janvier 2001, sur le vol UA-915 en direction des États-Unis, la place de Jeannette est restée vide. On a eu un appel du copain qui attendait Jeannette. Et il a dit qu'elle n'était pas dans l'avion. Pourquoi n'a-t-elle pas appelé si elle a raté son avion? On ne savait pas si elle était perdue dans New York ou dans Paris. Je me suis dit, je vais appeler ma mère. Elle est peut-être au courant de quelque chose. Mais non, elle n'avait pas de nouvelles de Jeannette. Et elle était très inquiète. On ne savait pas si Jeannette avait disparu, si elle était malade ou même si elle était morte. Sans nouvelles de sa fille depuis le 31 décembre, Madame O'Keeffe remue ciel et terre. Elle envoie des mails à des connaissances de Jeannette à Paris. Téléphone sans cesse au foyer d'étudiants dans lequel elle résidait. Sans réponse, personne ne sait où est Jeannette. Le 9 janvier, ne sachant plus que faire, Suzanne O'Keeffe déclare la disparition de sa fille à la police australienne, qui transmet aussitôt l'information aux autorités françaises. On va être destinataire d'un message d'Interpol qui nous signale la disparition d'une ressortissante australienne. Cette jeune femme qui avait disparu avait un signalement qui correspondait à celui de notre victime. Jeannette O'Keeffe, 28 ans, 1m52, mince, cheveux châtain mi-long, les yeux verts. La description pourrait coller. Les policiers se rendent donc dans un foyer étudiant à Savigny-sur-Orge, où, d'après Interpol, Jeannette O'Keeffe a résidé 2 mois jusqu'au 31 décembre. Ils espèrent trouver des étudiants qui pourront l'identifier. Les premiers contacts qu'on prend avec les étudiantes et les étudiants font ressortir que Jeannette O'Keeffe est quelqu'un de très réservé, qu'elle a eu très très peu de contacts avec les autres résidents. Et personne des jeunes étudiants qu'on a rencontrés n'a pu nous dire où est-ce qu'elle était partie, quels étaient ses projets. Non seulement les étudiants qui fréquentaient Jeannette O'Keeffe sont rares, mais ils ont du mal à la reconnaître sur la photo que les policiers leur tendent. Le problème de la photographie qui est présentée, c'est une photographie de Jeannette qui est morte. Donc déjà, on essaye de prendre un cliché qui n'est pas choquant, mais on n'a que ça. 3 étudiantes pensent néanmoins reconnaître Jeannette. Mais il faut en avoir le cœur net et leur demander de venir identifier le corps à la morgue. Toutes les 3 vont reconnaître formellement Jeannette O'Keeffe lorsqu'on va leur présenter le corps de la victime à la morgue. À 15 000 km de là,
Les parents de Jeannette O'Keefe sont toujours dévorés par l'angoisse. 9 jours déjà qu'ils cherchent leur fille, désespérément. Quand j'ai vu la police arriver, oh mon Dieu, j'ai tout de suite compris pourquoi ils étaient venus. Ce sont les policiers australiens qui apprennent à Monsieur et Madame O'Keefe que Jeannette a été étranglée et retrouvée dans un sac de couchage en banlieue parisienne. Une ou deux fois, j'ai perdu le souffle. Je n'arrivais plus à respirer, car je n'arrêtais pas de penser au moment où elle était morte. Je me suis mis à pleurer comme un petit garçon. Les O'Keefe sont terrassés. À la douleur d'avoir perdu leur fille, s'ajoute celle de devoir prévenir leurs autres enfants. Denise, qui est aux États-Unis, mais aussi Christine et Craig. Nos parents nous ont appelés individuellement. On ne l'oubliera jamais. Je me rappelle qu'ils m'ont appelé alors que j'étais au boulot. D'ailleurs, on était tous au boulot. Non, moi j'avais 20 ans et j'étais étudiante. À ce moment-là, j'étais en vacances. Papa a appelé, il était très choqué. Il a juste dit « Jeannette est morte, elle a été battue et étranglée ». Et puis il a ajouté « Ils l'ont jetée dans un parc ». La famille O'Keefe est assommée. Comment Jeannette, qui était si raisonnable, a-t-elle pu être assassinée dans une cité à 40 km de la capitale? Il y a sûrement une erreur. La police a dû se tromper. J'ai demandé si elle avait une carte d'identité sur elle et on m'a répondu que non. Alors comment savait-il que c'était elle? Des cheveux bruns, des yeux bleus, mais il y a plein de filles comme ça. Denise O'Keefe saute dans un avion pour la France. Mais à son arrivée à la morgue, le doute n'est plus permis. L'inconnue du sac de couchage est bien sa petite sœur, Jeannette. La dernière fois que Denise l'avait vue, c'était en été, à son mariage aux États-Unis. Jeannette avait ensuite prolongé son voyage en Europe. Jeannette O'Keefe a fait ce que tous les Australiens font, c'est-à-dire partir à l'aventure, aller voir un peu ce qui se passe dans le reste du monde et que l'Australie, on est une île, on est loin de tout le monde et si on ne le fait pas quand on est jeune, on n'aura plus l'occasion de le faire. Et c'est à Paris que Jeannette O'Keefe avait choisi de se fixer quelque temps. Elle était amoureuse de la ville lumière. Paris, c'est la ville qui fait rêver. C'est la plus belle ville du monde, on dit, de par sa culture. Et puis, il y a aussi beaucoup d'intérêt pour la langue, bien que peu d'Australiens parlent le français, finalement. Mais le rêve de Jeannette, étudiante passionnée de culture française, s'est brisé sur un terrain vague des Mureaux. Cathy Richard, vous êtes l'avocate de la famille O'Keefe et pour eux, c'est absolument terrible. Non seulement leur fille a été tuée, mais en plus, on l'a retrouvée dans un endroit où elle n'aurait jamais dû être. Oui, Jeannette rêvait de la France, mais de la France dans ce qu'elle a de plus beau, l'histoire, les monuments, la profondeur. Et on retrouve son corps dans une cité qui n'a rien à voir avec elle, avec son histoire. Alors déjà, c'est une jeune fille pleine de vie et d'un seul coup, on vous annonce que votre enfant, votre sœur est morte à l'autre bout du monde, parce que pour eux, c'est l'autre bout du monde. Et puis ensuite, on la découvre jetée, balancée presque dans cette cité, par terre, découverte par des enfants, un chien. Enfin, ça, tout ça, ça ne lui ressemble pas. C'est une fille extrêmement saine. D'ailleurs, on va se rendre compte à la découverte. Le médecin légiste va voir ses poumons et dire « mais elle n'a jamais vécu en France. Elle a des poumons roses, elle n'a jamais connu la pollution. » Tout cela est parfaitement incompréhensible. Il n'y a rien qui permet d'être compris par cette famille. Ils ne peuvent pas l'admettre.
Justement, quel genre de femme était-elle, Jeannette O'Keeffe ? Jeannette, c'était une jeune fille qui était à la fois naïve et très intelligente. Elle était douée, elle était joyeuse, elle était musicienne, intéressée par l'histoire, les civilisations, mais c'était pas une fêtarde, elle n'était pas forcément très très sociable. Sur le temps qu'elle a passé en France, tout le monde l'a décrit comme très timide. Elle a lié très peu de contacts en réalité. Cette famille ne parle pas français. Notre procédure lui est complètement étrangère. Comment vont-ils faire pour suivre l'enquête ? Ils sont au bout du monde. Ils n'ont pas la possibilité de venir en France. La procédure française est aux antipodes de la procédure anglo-saxonne. Alors finalement, c'est le consulat d'Australie en France qui va servir pendant un certain temps de courroie de transmission entre la famille de Jeannette et puis les autorités françaises, la police qui mène l'enquête. Comment les parents vivent-ils cette épreuve si loin du corps de leur fille ? La mère de Jeannette apprend à ce moment-là qu'elle a un cancer. Elle va tenir ça secret le temps de récupérer le corps de sa fille. Pour elle, à ce moment-là, sa priorité absolument est de retrouver sa fille, de pouvoir l'enterrer. Et donc, elle va mettre de côté ce cancer. Comme on ne peut pas affronter deux épreuves en même temps, eh ben, y a une épreuve qu'elle va mettre de côté. Et puis, elle va se consacrer à sa fille. Et elle va se faire soigner après ? Après, elle va se faire soigner, oui, et elle va s'en sortir. Nous, on a un point de départ, c'est le foyer, et on a un point d'arrivée, c'est les mureaux. Donc, on va essayer de reconstituer son emploi du temps. La dernière fois que quelqu'un a vu Jeannette O'Keeffe, c'est le 31 décembre au foyer étudiant de Savigny-sur-Orge. Ce jour-là, Jeannette a rendu les clés de sa chambre, puis elle est partie avec toutes ses affaires. À partir de là, les policiers perdent sa trace. Mais ils vont apprendre que Jeannette suivait des cours de français dans le 19e arrondissement de Paris. Sur place, on va prendre attache avec ses enseignants et les élèves qu'elle fréquente. Le caractère réservé et discret de Jeannette O'Keeffe va de nouveau apparaître. On va se rendre compte qu'elle a très peu de fréquentation, que seuls quelques élèves la connaissent. On a un jeune homme qui vient spontanément nous rencontrer. Il s'agit d'Anthony Martin, qui nous dit qu'il est un ami de Jeannette O'Keeffe. Anthony Martin est néo-zélandais. Il a alors 40 ans et sort d'un divorce douloureux. Il est venu passer quelques mois à Paris pour voir sa sœur et apprendre le français. Anthony a sympathisé avec Jeannette pour faire plaisir à un professeur. J'avais reçu un email de ma prof de français de l'Alliance française à Wellington qui me disait « Il y a cette jeune fille qui est seule à Paris, elle ne connaît personne, pourrais-tu prendre contact avec elle ?» Jeannette et Anthony se voyaient de temps à autre, amitié de circonstance entre deux expatriés. Ils se retrouvaient pour partager des cafés et découvrir la capitale ensemble. Le 31 décembre, Anthony a reçu un coup de téléphone de Jeannette. Il nous explique que Jeannette l'avait appelé aux alentours de 19h, 19h30, paniquée, parce qu'elle avait rendez-vous un peu plus tôt dans l'après-midi avec une amie et que cette amie n'était pas venue à ce rendez-vous. Donc elle ne sait pas où aller, elle n'a pas de toit, de logement. Jeannette O'Keeffe demande à Anthony Martin s'il peut l'héberger jusqu'à son départ aux États-Unis. Il accepte et il lui fixe un rendez-vous devant un restaurant sur les Champs-Élysées aux alentours de 20h30, 21h. J'étais en retard au rendez-vous. Et lorsque je suis arrivé, elle n'était pas là. She was not there.
Anthony affirme qu'il a attendu Jeannette 20 minutes et qu'il est parti vers 22h30. Ensuite, il se serait promené seul dans Paris. L'absence de personnes pouvant justifier l'emploi du temps d'Anthony Martin et le fait qu'il soit le dernier à avoir rendez-vous avec Jeannette O'Keefe va nous amener à effectuer des vérifications. Les inspecteurs effectuent une perquisition chez Anthony. Il habite un petit appartement à Boulogne-Billancourt. Même ses sandales sont prises en photo et la terre qui s'est accrochée aux semelles est prélevée au cas où. Mais les policiers ne trouvent rien, aucun indice dans l'appartement. Quelques jours plus tard, pourtant, ils font une découverte compromettante. Dans un mail envoyé à Suzanne O'Keefe, Anthony Martin explique avoir raté Jeannette le soir du 31 décembre parce qu'il était allé à un rendez-vous en banlieue et qu'il s'était retrouvé coincé dans des embouteillages. Anthony Martin n'a jamais parlé de ce rendez-vous. Les policiers demandent aussitôt la géolocalisation de son portable et une drôle de surprise les attend. Le bornage d'Anthony Martin nous apprend qu'il nous a menti. Qu'il a menti à la famille de Jeannette O'Keefe. Qu'il n'était pas en retard au rendez-vous, puisqu'à 20h45, son téléphone borne déjà sur les Champs-Élysées. Anthony Martin était donc bien à l'heure pour son rendez-vous avec Jeannette O'Keefe. Il est aussitôt placé en garde à vue. Mon frère m'a appelé début janvier en disant qu'il était à la police et qu'il était le premier suspect pour la mort de Jeannette. La chose qui m'inquiétait le plus, c'était si la police se trompe, bien sûr, parce que mon frère était la dernière personne qui devait voir Jeannette le soir de la Nouvel An et qu'il n'avait pas d'autres suspects. À ce moment-là, j'étais totalement terrorisé. J'avais cette vision, vous êtes coupable jusqu'à ce que vous puissiez prouver que vous êtes innocent. Je m'imaginais incapable de prouver où j'étais et ce que j'avais fait, et je me disais que j'allais être mis en prison pour un crime que je n'avais pas commis. Lors de cette nouvelle audition, le ton des policiers change radicalement. Un des policiers a dit: on n'est pas en train de parler d'un cambriolage, là. Et le traducteur m'a expliqué, il s'agit d'un crime sérieux. La PJ place Anthony face à son mensonge, demande des détails sur ce fameux rendez-vous en banlieue. Et le copain de Jeannette craque. En fait, il nous avoue qu'il nous a menti, effectivement. Parce qu'en réalité, quand il a proposé à Jeannette O'Keefe de la voir sur les Champs-Élysées ce soir-là, il n'avait pas envie d'aller au rendez-vous. Donc il a fait exprès d'arriver en retard. J'étais assez énervé contre Jeannette. Peu de temps avant, je l'avais invitée pour Noël. J'avais dépensé pas mal d'argent pour ce dîner. Au moment de passer à table, elle n'était toujours pas là. Elle m'a appelé en me disant qu'elle ne se sentait pas très bien et qu'elle ne pouvait pas venir. Trois jours après Noël, Jeannette fait à nouveau faux bond à Anthony, qui l'attend trois quarts d'heure dans la rue, dans le froid. Anthony Martin lui en veut. Et s'il n'a pas très envie d'inviter l'Australienne à dormir chez lui, c'est aussi pour une autre raison. Jeannette était déjà venue dormir à la maison. Je lui avais laissé mon lit et j'avais dormi par terre. À ce moment-là, j'avais des gros problèmes de dos et je n'avais vraiment pas envie de renouveler l'expérience. Anthony Martin est remis en liberté parce qu'aucun élément matériel n'a été recueilli à son encontre, aucun témoignage non plus, ni aucun élément dans ses déclarations ne permet de l'incriminer. Mais aucun élément, au moment de sa garde à vue,
ne permettent formellement de l'exclure des suspects de l'enquête. Reste encore la comparaison à faire avec son ADN, et ça, ça prendra un petit peu de temps, parce qu'à l'époque, on est un petit peu dans les prémices de la génétique, et que les résultats de la comparaison de son ADN avec celui qui est découvert sous les ongles de Jeannette O'Keefe ne peut pas se faire pendant le temps de la garde à vue. Anthony Martin n'a pas le droit de quitter la France. Il faut attendre 2 longs mois avant que les résultats des analyses génétiques ne tombent. C'était un soulagement énorme. Je leur ai offert une bière quand ils sont venus m'annoncer la nouvelle. À ce stade, je savais que tout était enfin terminé et que j'étais enfin libre. Dominique, Anthony Martin innocent, en fait l'unique piste des enquêteurs s'effondre. Oui, Anthony Martin va apporter aux enquêteurs, Frédéric, des renseignements très précieux. Il va leur expliquer que si ce soir-là, Jeannette lui a téléphoné à lui, c'est parce qu'elle avait raté un rendez-vous avec Élise. C'est lui qui va révéler l'existence de cette jeune femme aux policiers, c'est Élise son voisin. Et les policiers vont aller la voir. Elle va leur confirmer qu'elle connaît Jeannette. En fait, Élise avait passé une petite annonce dans un journal pour prendre des cours d'anglais. Jeannette a répondu. Et elles se sont vues plusieurs fois. Et elles se sont bien entendues à tel point que Élise avait proposé à Jeannette de passer le réveillon du 31 avec elle chez des amis plutôt que de rester toute seule dans Paris. Jeannette avait accepté et Élise lui avait proposé aussi de venir s'installer chez elle jusqu'au 2 janvier, jusqu'à son départ aux États-Unis. Et là encore, Jeannette avait accepté. Et pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça? Parce qu'elles avaient rendez-vous le 31 décembre au métro mairie de Clichy. C'est Élise qui avait fixé le rendez-vous. Les policiers ont vérifié. Elle est venue avec sa voiture parce qu'elle savait que Jeannette avait son gros sac à dos puisqu'elle quittait définitivement la France pour aller aux États-Unis. Élise est arrivée, mairie de Clichy, elle a attendu dans sa voiture à l'heure prévue pendant 1 heure et Jeannette n'est jamais arrivée. Donc les policiers se sont posé la question, comment a-t-elle pu rater ce rendez-vous? On imagine que peut-être elle a confondu les métros mairie de Clichy et place de Clichy ou alors qu'elle est sortie à la mauvaise station. Et c'est pour ça qu'en panique, parce qu'Élise n'était pas là, Jeannette a téléphoné à Anthony Martin. Et qu'est-ce que fait Élise ensuite alors? Élise ensuite, elle rentre chez elle. Et à plusieurs reprises, elle va tenter de joindre Jeannette dans le foyer où elle habite, dans l'Essonne, à Savigny-sur-Orge. Elle va même laisser un message, mais Jeannette n'y retourne pas. Elle a pris son sac, elle a quitté le foyer. Donc elle laisse un message, ça aussi c'est vérifié par les policiers. Et comme elle est sans nouvelles de Jeannette, eh bien, elle part réveillonner chez ses amis. Et on peut dire que ce soir-là, c'est vraiment le sort qui s'acharne sur Jeannette parce que d'abord, elle rate son rendez-vous avec Élise. Ensuite, elle rate son rendez-vous sur les Champs-Élysées avec Anthony Martin. Et ce soir-là, c'est vraiment la série noire pour elle parce qu'elle va rater un 3e rendez-vous. Ce soir-là, la plus belle avenue du monde se transforme en cauchemar pour Jeannette O'Keefe. Elle est seule au milieu de la foule, dans une ville en fête. Son sac est lourd. Elle ne sait pas où dormir. La jeune femme est désespérée. Tous ses amis semblent l'avoir abandonnée. Jeannette tente alors d'appeler les seules personnes qui pourraient encore l'aider. À 21h, la maman d'Élise a reçu un appel de Jeannette O'Keefe, qui lui expliquait qu'elle était sur les Champs-Élysées et elle lui demandait comment rejoindre Herblay, où habitait donc la famille sans voisin, en transport en commun. Les parents de son amie Élise proposent à Jeannette de l'héberger comme prévu jusqu'à son départ aux États-Unis. Jeannette doit les appeler une fois arrivée à la gare de Conflans-Findoise. La communication entre elles est compliquée parce que Jeannette ne parle pas forcément très bien français. Les parents d'Élise ne parlent pas anglais et expliquer un itinéraire de train dans une langue qu'on ne maîtrise pas, ce n'était pas simple. Pour Jeannette O'Keefe, c'est le parcours du combattant qui commence. La station Charles de Gaulle Étoile est un dédale de couloirs.
elle doit se rendre à Conflans-Findoise, à 25 km de Paris. Il faut trouver la bonne direction, puis faire attention de ne pas se tromper car la ligne se divise en deux branches. Jeannette O'Keefe comprend-elle les indications? Parvient-elle à se repérer dans les méandres du RER? Madame son voisin va nous expliquer qu'au cours de la soirée, elle n'a reçu aucun nouvel appel de Jeannette O'Keefe. Et elle va aussi constater le lendemain matin que son téléphone a mal été raccroché. La malchance continue. Jeannette a-t-elle essayé de rappeler les 100 voisins? S'est-elle égarée dans le RER? Les policiers perdent sa trace vers 21h sur les Champs-Élysées. Ils décident alors de lancer un appel à témoins dans toutes les stations de train et de métro de la région parisienne. Mais personne ne semble avoir vu Jeannette ce soir-là. Autre coup du sort, même les caméras de surveillance ne l'ont pas filmée, comme si elle n'avait jamais existé. Les enquêteurs multiplient les recherches, tous azimuts. On fait des vérifications auprès du commissariat central du 8e arrondissement. On fait des vérifications auprès des auberges de jeunesse, auprès du service des objets trouvés, puisqu'elle est partie avec son sac à dos, un ordinateur portable, une caméra, et que nous, on la retrouve sans aucun effet personnel autour d'elle. Toutes ces vérifications sur le 8e arrondissement ne donnent rien. Pour les policiers, le scénario le plus probable est que Jeannette O'Keefe ait fait une mauvaise rencontre. Perdue, découragée, Jeannette a peut-être suivi quelqu'un. Elle faisait facilement confiance. Quand vous venez en Australie, ce qui surprend toujours les Français, c'est quand vous êtes perdue, il y a toujours quelqu'un qui vient vers vous pour vous demander si vous avez besoin d'aide. Donc, l'extérieur n'est pas considéré comme quelque chose de nocif et de dangereux, forcément. Je crois vraiment qu'elle était très naïve et qu'elle aurait pu suivre toute personne qui avait l'air crédible. Elle était capable de croire tout ce qu'on lui racontait. Si Jeannette a suivi un inconnu, c'est sûrement dans le train. Les policiers recherchent alors tous les hommes qui ont agressé des femmes ces derniers mois dans des trains en direction de Conflans-Findoise ou des Mureaux. Ils veulent comparer leur ADN à celui trouvé sous les ongles de Jeannette. Pas de résultat, il faut chercher ailleurs. L'enquête va nous mener à nous intéresser aux célibataires de la Cité des Musiciens, susceptibles d'avoir amené à leur domicile Jeannette O'Keefe. 120 célibataires au total. Ils sont tous convoqués au commissariat pour effectuer un test ADN. Mais la plupart d'entre eux rechignent à se présenter à la police et les mois passent. Les gens qui sont ciblés, en plus, ce sont des gens qui habitent dans la cité des musiciens. Cette cité n'est pas réputée pour être habitée par des gens qui coopèrent beaucoup avec la police. S'ils ne défèrent pas à leur convocation, on les reconvoque. Cela représente une énorme charge de travail. Les policiers n'ont aucun moyen de forcer les célibataires à donner leur empreinte. Ils ne peuvent que les relancer et leur mettre des amendes. Alors, la liste des suspects ne s'apure que très lentement. 2 ans après la mort de Jeannette O'Keefe, les policiers sont loin d'avoir prélevé l'ADN des 120 célibataires. Pourtant, ils ne perdent pas espoir. À aucun moment, je me suis dit « cette enquête, elle piétine ». Le dossier O'Keefe, c'est pas un dossier où on se dit « il se passera jamais rien, on n'a rien ». On a cet ADN, donc on sait que de toute façon, un jour ou l'autre, cette affaire, elle va sortir. Mais quand ? Les policiers parviendront-ils à résoudre le mystère Jeannette O'Keefe ? Sauront-ils un jour ce qui est arrivé à la jeune Australienne sur les Champs-Élysées, le soir du 31 décembre 2000 ?
Commissaire Bloch, 2 ans après le crime, le mystère Janet O'Keefe n'est toujours pas résolu. Et une autre affaire va venir freiner un peu plus votre enquête. Effectivement, le 9 janvier 2003, il y a la disparition d'Estelle Mouzin. C'est une jeune enfant qui a 9 ans, qui disparaît à Guermantes, sur le chemin qu'elle fait pour aller de l'école à chez elle. Et bien évidemment, une disparition d'enfant, ça demande de mettre en œuvre de gros moyens dès le départ, parce qu'on sait que dans ce genre d'affaires, le temps compte, le temps est notre ennemi. Donc dès le départ, je mobilise tous les effectifs de la DRPJ Versailles sur cette affaire, et ça durera plusieurs semaines. Le soir du réveillon, Janet O'Keefe a vraiment joué de malchance, et donc là encore, si je puis dire, puisqu'en fait, il n'y a plus de policiers qui s'occupent de son dossier. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus sur son dossier. Son dossier, il est toujours dans un groupe d'enquête de la brigade criminelle du SRPJ de Versailles. Il y a toujours des enquêteurs qui s'y intéressent. Seulement, à ce moment-là, au moment où disparaît Estelle Mouzin, il n'y a rien de particulier en ce qui concerne cette affaire. Il n'y a rien de nouveau, rien qui permette d'explorer une piste particulière. Donc effectivement, ça reste un peu en l'état à ce moment-là. Janet O'Keefe était australienne. Est-ce que ce dossier vous tient moins à cœur qu'un dossier français ? Absolument pas. Et bien au contraire même. Dès qu'on a identifié Janet O'Keefe, j'ai reçu sa sœur et son beau-frère, et je les ai reçus avec le consul d'Australie dans mon bureau à Versailles, en leur disant que Janet O'Keefe était quelque part en tant qu'étrangère, en tant qu'étudiante étrangère, notre invitée en France, et qu'on mettrait en œuvre tous les moyens nécessaires pour essayer d'identifier, pour identifier et arrêter l'auteur de ce crime. Au bout d'un moment, vous décidez de reprendre toute l'enquête à zéro. Pourquoi ? Parce qu'on bute, parce qu'on ne trouve rien. Et à ce moment-là, alors effectivement, on repart sur l'ADN. Comme ce soir du réveillon, elle devait aller chez sa copine Élise. On a prélevé les ADN de la famille, de toute la famille, pour faire des comparaisons avec l'ADN qui a été trouvé et sous les ongles et dans le sac de couchage, parce qu'il n'est pas impossible qu'elle se soit en fait rendue dans cette famille, et que cette famille, vu les circonstances, que tout ça est mal tourné, donc mente. Eh bien, ce n'est pas le cas du tout, parce que les comparaisons ADN sont parfaitement négatives. Elle n'est pas allée chez Alice ce soir-là. Et quel est le point commun entre la Cité des musiciens et Janet O'Keefe ? Il n'y en a priori absolument aucun. On sait simplement que le soir du réveillon, elle devait aller vers Conflans-Sainte-Honorine, un réveillon qu'elle n'y est jamais arrivée. Ça peut être la même ligne de RER. C'est la même ligne de RER. Pendant un certain temps, c'est la même ligne de RER. Et après, ça bifurque. Donc, il se peut tout à fait qu'elle soit trompée, qu'elle ait atterri dans cette cité ou qu'elle ait fait une rencontre dans le RER, on n'en sait rien. Les années passent. 5, 6, 7 ans, et toujours pas l'ombre d'une solution. Le meurtre de Janet O'Keefe reste un mystère. Quand soudain, en avril 2008, un nouveau crime en région parisienne vient relancer l'affaire. Un crime qui présente de nombreuses similitudes avec le dossier O'Keefe. Le cadavre découvert samedi dans la forêt de Chantilly serait bien celui d'une étudiante suédoise. Cette jeune femme de 19 ans avait été vue pour la dernière fois quelques heures plus tôt à la sortie d'une discothèque à Paris. Susanna Zetterberg est jolie. Elle est étrangère. Elle est venue en France pour apprendre la langue. Autant de points communs avec l'affaire O'Keefe. Comme Janet O'Keefe, la jeune Suédoise a également disparu une nuit où elle était seule, en plein Paris. Dans l'affaire O'Keefe, on a potentiellement Janet qui a pu prendre le train ou un taxi. On ne sait pas, au final, si elle a tenté d'aller sur Herblay ou pas. Dans l'affaire Zetterberg, c'est une jeune femme qui a pris un taxi. Donc ça fait quand même quelques similitudes. Le chauffeur de taxi est rapidement identifié grâce à des images de vidéosurveillance. Il s'appelle Bruno Chollet et son casier judiciaire est lourd. Il a déjà fait 17 ans de prison pour enlèvement et viol. La police l'arrête une semaine plus tard, il avoue, c'est bien lui qui a tué Susanna Zetterberg. Bruno Chollet est un récidiviste qui a déjà 2 crimes sur le dos. Et si ce n'était pas tout ? Et s'il n'avait pas tout dit ? La brigade criminelle de Versailles lance aussitôt des recherches pour savoir si Chollet pouvait être au Mureau le soir du 31 décembre 2000.
la réponse tombe comme un couperet. On a exclu Bruno Chollet de notre affaire parce qu'au moment des faits, il était déjà emprisonné. Une fausse piste de plus. Des fausses pistes, c'est notre lot quotidien, quelque part. Donc c'est une piste parmi d'autres qui n'a rien donné, mais nous, on a toujours l'espoir qu'on arrivera au bout. Les policiers ne peuvent plus compter que sur une seule chose, l'ADN. Or, la science ne cesse de faire des progrès. Alors les enquêteurs demandent au laboratoire de nouvelles analyses génétiques. Nous avons fait retravailler l'ADN qui avait été découvert sous les ongles de la victime par le laboratoire de biochimie de Garches, qui a permis de faire une caractérisation du profil plus précise, plus complète, et cet ADN a pu être inscrit au FNAEG. Le FNAEG, c'est le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Créé en 1998, il conserve les ADN de tous les auteurs de crimes et de délits. L'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques ne va plus cantonner les comparaisons à celles effectuées à l'issue de nos auditions, mais va permettre la comparaison avec l'ensemble des individus inscrits dans le fichier. À l'époque, en 2008, plus de 900 000 empreintes sont déjà répertoriées. L'intuition des policiers était la bonne. Un an plus tard, grâce au FNAEG, l'ADN du dossier O'Keeffe parle enfin. Le mardi 2 février 2009, j'étais au bureau et je reçois un coup de fil de la juge d'instruction. Elle me dit je viens de recevoir un rapprochement du FNAEG et l'ADN qui est découvert sous les ongles de Jeannette O'Keeffe, il ressort au nom de. Et elle commence Adriano Arrojo et je finis sa phrase. Je lui dis Da Silva. Elle me dit oui. J'ai dit, on l'a en procédure. Cet individu a été ciblé lors de l'enquête comme un célibataire du quartier des musiciens. Il a été convoqué à plusieurs reprises et il n'a pas déféré à nos convocations. Sur les 120 célibataires concernés, 6 n'avaient toujours pas répondu malgré les relances aux convocations. Parmi eux, Adriano Arrojo Da Silva. Cet ADN qu'on a comparé des dizaines, voire des centaines de fois avec l'ensemble des gens qu'on a pu voir dans cette enquête, ça y est, il a un nom. Et ce nom, on l'avait. De toute façon, on serait tombé dessus. On se dit pas, on a foiré l'enquête. Pas du tout. Au contraire, on se dit, on était dessus, quoi. L'identification FNAEG, elle nous a devancés, mais on était dessus. Les enquêteurs ne savent pas grand-chose d'Adriano Arrojo Da Silva. Il a 34 ans, il est père de 3 enfants et a monté une petite société de bricolage. Arrojo est rentré au FNAEG en février 2008 après avoir foncé avec sa voiture sur un agent de police lors d'un contrôle routier. Il conduisait sans permis, il a fait un mois de prison. Huit ans après le meurtre de Jeannette O'Keeffe, les policiers tiennent peut-être le coupable. Cet ADN ne prouve pas à 100% qu'Arrojo est le meurtrier de Jeannette, il prouve seulement qu'ils se sont rencontrés peu avant sa mort. Les policiers préviennent la famille O'Keeffe que l'ADN a matché. J'étais au travail quand j'ai reçu ce mail. Ça a vraiment été un choc. Ouais. Je ne réalisais pas. Ouais. Tous les souvenirs reviennent. On ne peut pas penser à autre chose. Qui, pourquoi ? D'un côté, c'est un soulagement, mais de l'autre, on a peur d'apprendre plus de détails. Est-ce qu'on est prêt à entendre des détails horribles, pires que ceux auxquels on a déjà pensé ? Avant de l'interpeller, les policiers ont besoin d'avoir le maximum de détails sur Adriano Arrojo Da Silva.
Il place donc sa ligne téléphonique sur écoute. Ce branchement, il est fait pour obtenir des informations sur le comportement qu'il peut avoir. Est-ce qu'au téléphone, il apparaît comme quelqu'un de dangereux? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut trafiquer? C'est apprendre à connaître qui est le meurtrier présumé de Jeannette O'Keeffe. En ce moment, Arujo da Silva vit chez sa petite amie près des Mureaux, mais il a gardé son appartement dans la Cité des Musiciens. C'est chez sa compagne que les policiers l'interpellent le 17 février 2009, à 6h du matin. On lui explique qu'il est placé en garde à vue pour des faits de meurtre qui ont été commis aux Mureaux en janvier 2001. Il n'a pas de réaction, en fait. Il est très calme, il est coopératif, il ne s'étonne pas du fait qu'il soit en garde à vue, il ne crie pas au scandale. Il ne réagit pas, en fait. La PJ perquisitionne ensuite l'appartement d'Arujo de fond en comble. Jusqu'aux carreaux de sa salle de bain qui sont décollés dans l'espoir d'y retrouver d'éventuelles traces de sang. Mais les recherches ne donnent rien. Dominique, pourquoi les policiers qui avaient ciblé quand même Adriano Arujo da Silva parmi les célibataires n'ont pas pu l'obliger à aller au commissariat pour se faire prélever son ADN? La première raison, Frédéric, ça peut paraître surprenant, mais c'est tout simplement parce que la PJ de Versailles est débordée. Ils ont cette enquête qui leur tient à cœur, hein, l'enquête sur le meurtre de Jeannette O'Keeffe, mais ils ont aussi des dizaines et des dizaines d'autres dossiers à traiter, des affaires d'homicide aussi importants que celui-ci. La PJ Versailles, c'est le service en France, le service criminel, qui traite le plus grand nombre d'homicides. Hein. Alors, il y a ça déjà. Et puis, faire venir les célibataires des Mureaux, hein, cette idée, elle est à la fois géniale parce que ça peut payer, mais elle est en même temps complètement folle parce que ça veut dire qu'il faut tous les recenser, tous les convoquer et tous les relancer. Pour ceux qui ne répondent pas aux convocations, c'est un boulot énorme. Mais est-ce qu'ils ont légalement les moyens d'obliger quelqu'un à se faire prélever son ADN? La loi sur le prélèvement ADN, c'est l'article 706-54, 55 et 56 du Code de procédure pénale. Voilà comment ça marche. D'abord, les cas où la personne ne peut pas refuser, eh bien, c'est si la personne a déjà été condamnée pour un délit ou pour un meurtre passible d'une peine de prison de plus de 10 ans, la personne est obligée de se laisser prélever. Deuxième cas, si la personne mise en cause est renvoyée devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises, même si elle n'est pas encore jugée ni condamnée, donc, elle doit donner son ADN, elle ne peut pas refuser. Et si ces personnes refusent, eh bien, elles tombent sous le coup de la loi pour refus de se soumettre. C'est une amende et c'est une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à un an de prison. Maintenant, les cas où la personne peut refuser, eh bien, si la personne mise en cause est simplement suspectée dans une affaire judiciaire, on ne peut pas prélever son ADN sans son consentement. En l'occurrence, aux Mureaux, les célibataires, ce sont de simples suspects. Donc, est-ce qu'ils peuvent refuser ce prélèvement? Bien sûr, Frédéric, s'ils veulent, ils peuvent refuser ce prélèvement. Ils ne sont pas obligés de s'y soumettre. Mais le législateur a trouvé une astuce dans le Code de procédure pénale qui s'appelle l'autorisation de relever des éléments corporels biologiques détachés du corps. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça, c'est une technique des policiers qui peuvent convoquer quelqu'un pour tout autre chose, hein, lui offrir un café, lui offrir un verre d'eau, récupérer ensuite le gobelet, aller prélever l'ADN de la personne sur le gobelet, ou alors récupérer le chewing-gum qu'il a craché dans une poubelle ou le mégot de cigarette qu'il a écrasé à l'entrée du service de police. Ce sont des techniques des policiers pour trouver, aller chercher un ADN, ça existe. Donc on comprend la difficulté pour la brigade criminelle d'obtenir l'ADN de tous les célibataires des Mureaux. Évidemment, Frédéric, et malgré ça, sur les 120 célibataires, ils ont réussi à obtenir les ADN de 114 d'entre eux. C'est-à-dire qu'il ne leur en manque que 6. Le travail a été fait, un gros boulot. Et on peut imaginer que, de toute façon, ils auraient fini par coincer Arujo da Silva. S'il avait été le seul à refuser, là, un juge aurait pu délivrer une commission rogatoire et on serait allé lui prendre son ADN. Les interrogatoires d'Adriano Arujo da Silva vont maintenant commencer, mais les policiers savent que le dossier est fragile et qu'il ne tiendra que s'ils obtiennent des aveux. Il est 12h30 lorsque l'interrogatoire commence.
Adriano Arojo da Silva est calme, froid. Il nous dit qu'il a vaguement entendu parler de cette affaire de meurtre. Il nous dit que lui-même a reçu plusieurs convocations, mais qu'il n'y a jamais déféré parce qu'il ne se sentait pas concerné par cette affaire. Les policiers le laissent parler. On lui pose des questions, on écoute ses réponses, mais on ne réagit pas, on ne rebondit pas sur ce qu'il nous dit. C'est l'audition, ce qu'on appelle l'audition de chic. Ça nous permet quand même de voir à qui on a affaire. Adriano Arojo da Silva va nier avoir rencontré Jeannette O'Keeffe, la connaître, être allé sur les Champs-Élysées le soir du 31 décembre. C'est l'erreur que les policiers attendaient. Si Arojo avait dit qu'il avait rencontré Jeannette O'Keeffe, cela aurait compliqué leur tâche. Mais il ment, car il ignore que son ADN a été retrouvé sous les ongles de Jeannette. Les policiers le lui apprennent. Quand on lui donne cet élément-là, il dit que c'est pas possible. C'est une erreur scientifique, le laboratoire s'est trompé, mon ADN ne peut pas être sur le corps de cette jeune femme, puisque je ne l'ai jamais rencontrée. C'est faux et les policiers le savent, mais ils ont quand même besoin d'aveux. On a une soif de vérité dans cette affaire. Quand je dis « on », ce sont les policiers qui enquêtent depuis longtemps sur ce dossier-là, mais c'est aussi la famille qui est loin, qui se pose des questions. Mais aussi parce que, d'un point de vue purement judiciaire, ce dossier avec des aveux, il sera plus solide. Mais Arojo ne démord pas de sa version. Les policiers cherchent alors des témoignages qui pourraient l'ébranler. Pendant la garde à vue, on va entendre les deux premières compagnes, les mères des enfants d'Adriano Arojo da Silva, et on va apprendre qu'il a déjà commis des violences à leur égard. Adriano Arojo da Silva va nous expliquer qu'il lui est arrivé de leur mettre des claques, mais qu'il l'avait fait uniquement quand elle l'avait mérité. Ça nous apprend davantage aussi sur le profil de la personne qui est en face de nous. C'est quelqu'un qui paraît calme, mais dont on sait qu'il peut faire preuve d'excès de violence, et notamment sur les femmes. Cette violence, c'est un indice de plus. Il ne peut pas y avoir que des coïncidences. Ça commence à faire beaucoup pour le même homme. On a son ADN sous les ongles. Le corps est découvert à proximité immédiate de chez lui. Il est sur une liste de personnes qui est ciblée. On apprend qu'il est violent avec les femmes. Il va falloir qu'il avance un petit peu plus dans ses explications, parce que ça ne va pas suffire. Mais Adriano Arojo da Silva se braque et reste sur sa version. Il ne connaît pas Jeannette O'Keeffe. Adriano Arojo da Silva ne va pas vouloir répondre à nos questions, va s'énerver. Il commence à évoquer Dieu en disant que lui seul le jugera. Et là, on comprend que le dialogue est rompu. On prend la décision à ce moment-là d'arrêter les interrogatoires pour la soirée parce qu'on sait que ça donnera rien. Les policiers reconduisent Arojo dans sa cellule. Il est 21h45. Il reste encore 33 heures pour le faire avouer. Au matin, les enquêteurs décident d'une nouvelle stratégie. Vu que le courant passait plus, l'idée de changer d'enquêteur était importante pour essayer d'établir peut-être une meilleure relation, une relation plus en confiance que celle qui avait débuté. Alors, quand on commence l'audition donc avec mon collègue, la première question qu'on lui pose, c'est de savoir s'il va bien, s'il a mangé, s'il a un souci, etc. Donc, voilà, on discute, on commence à discuter avec lui de manière posée et voilà, le dialogue s'installe. Il a eu le temps de réfléchir sur les temps de repos. Il a bien compris que cet ADN posait problème. Donc, il va de suite nous donner une explication sur la présence de son profil génétique. Adriano Arojo da Silva explique qu'il a croisé Jeannette O'Keeffe ce soir-là au Murau, alors qu'elle se faisait agresser par des jeunes. Il s'est approché d'elle pour l'aider.
Et là, elle est un peu en panique. Elle crie « police, police », il ne comprend pas bien ce qui se passe. Et là, il nous explique « elle m'a griffé à ce moment-là ». Quand il nous sert cette version-là, on sait que c'est un mensonge, on sait qu'il nous ment. Autre version encore ratée pour lui. Car entre-temps, les enquêteurs ont reçu de nouveaux résultats du laboratoire. L'ADN des poils retrouvés dans son sac de couchage et qui n'avait pas pu être exploité jusque-là est aussi l'ADN d'Arojo. Avec l'identification des éléments pileux comme étant les siens, l'histoire, elle est finie. Enfin, c'est réglé. Va falloir qu'il explique. Il peut plus s'en sortir avec cette histoire-là. Et ça, il le comprend. Mais c'est difficile aussi pour lui d'y venir. Les faits se sont passés 8 ans auparavant. Lui, quelque part, il a enfoui ça au fond de lui. Donc revenir là-dessus, c'est compliqué pour lui. Il a refait sa vie, il a eu 3 enfants, il a une nouvelle petite amie. Franchement, c'est pas évident. Pour le faire parler, les policiers cherchent le point sensible. J'ai essayé de lui parler de ses enfants, il réagissait pas. Et j'ai finalement compris que voilà, la personne qui lui tenait vraiment à cœur, c'était sa nouvelle compagne. Je l'ai vu un peu changer, son attitude, son regard. Et là, j'ai un peu insisté. Et c'est là qu'il a craqué. Il nous a dit, faut que je l'appelle, faut que je lui dise. Et après, je vous dirai. La requête est inhabituelle, mais les policiers acceptent. Ils écoutent la conversation qui dure quelques minutes. Il lui dit voilà qu'il l'aime, qu'il est désolé, mais qu'il va partir en prison. Il sait qu'il va partir en prison parce qu'il a tué une femme. Et donc, elle commence à poser des questions. Donc, on dit non, il ne faut pas répondre. Donc, il lui dit voilà, je t'aime, attends-moi, parce que ça va durer longtemps. Voilà. Et fin de la conversation. Un coup de fil étonnant. Comme si Adriano Arojo da Silva avait eu besoin de se faire pardonner par celle qu'il aimait. Soulagé, il va tout avouer d'une traite aux policiers. Il va nous expliquer qu'il était sur les Champs-Élysées et qu'il rencontre cette jeune femme qui était seule. Donc ils vont sympathiser, ils vont discuter. Il lui explique qu'elle peut venir dormir chez lui. Et donc, la jeune femme, hein, Jeannette O'Keefe, accepte de le suivre. Une fois arrivés au Muro, ils auraient fait l'amour. Après les premières relations sexuelles, il va vouloir avoir d'autres rapports, sauf que Jeannette O'Keefe n'est plus d'accord et va lui dire que non, ça suffit, elle souhaite partir, sauf que lui, comme il veut la garder, il veut ses nouvelles relations, il va la frapper avec une barre de fer. Jeannette O'Keefe perd connaissance. Lorsqu'elle revient à elle, la jeune Australienne est paniquée, elle hurle. Adriano Arojo veut la faire taire, à tout prix. Il s'est mis sur elle, il a mis ses mains autour de son cou, et comme elle criait de plus en plus fort, il l'a serrée jusqu'à ce qu'elle reperde connaissance. Là, il explique ensuite qu'il a pris une rallonge électrique qu'il lui a mis autour du cou et qu'il a pendu la rallonge à une fenêtre. Jeannette meurt étranglée. Arojo reste seul avec le corps pendant plusieurs heures, hagard. Puis il se décide à agir. Il va commencer à l'habiller avec plus ou moins des vêtements qu'il trouve, et notamment ses vêtements à lui. Et il nous explique qu'il va mettre le corps dans ce fameux sac de couchage. Et il ne sait pas comment se débarrasser du corps. Donc il va tout simplement jeter le corps par la fenêtre. Arojo reste longtemps chez lui, il hésite. Puis il décide de déplacer le corps de Jeannette pour l'éloigner de son immeuble. Commissaire Bloch, Adriano Arojo da Silva a avoué. Est-ce que ses aveux correspondent aux éléments du dossier en tout point ? Oui, Arojo dit qu'il a utilisé
une rallonge électrique pour étrangler la victime. Or, la rallonge électrique correspond tout à fait au sillon relevé sur le cou de la victime. Et c'est lui-même qui nous explique pourquoi cet éclatement du foie sans saignement important, c'est-à-dire qu'il a jeté, il habite au troisième étage, une fois qu'il a constaté que cette jeune femme était morte après la strangulation, elle avait du sang, il l'a lavé, il l'a passé sous la douche, il l'a enfermé dans ce sac de couchage, il n'a pas trouvé d'autre solution que de le jeter par la fenêtre, ce qui explique l'éclatement du foie sans saignement. Il a dit qu'ils avaient fait l'amour ensemble, est-ce que c'est crédible ça? Alors ça c'est peu crédible puisque l'autopsie a démontré que cette jeune femme avait ses règles et avait un tampon hygiénique. Donc ça paraît peu probable qu'il ait fait l'amour, moi je ne le crois, on ne le croit pas en tout cas. Ce coup de téléphone à sa compagne pendant la garde à vue, est-ce que c'est légal ça? C'est parfaitement légal puisque ce n'est pas illégal, rien n'interdit de le faire. L'interrogatoire a été filmé, sauf cette partie-là. Donc la caméra a été coupée pendant 25 minutes. Bien sûr. Et donc la défense, pourquoi bien sûr d'abord? Parce que le code de procédure pénale nous demande de filmer les gens pendant leurs auditions. Ce coup de téléphone, c'est une affaire qui ne fait pas une audition. Donc ça n'a pas à être filmé, pas plus que s'il allait aux toilettes, pas plus que s'il lit un journal. La garde à vue, elle n'est pas filmée pendant les 24 ou 48 heures. Oui, mais la défense dit que pendant ces 25 minutes, bah, les policiers ont fait une sacrée pression sur lui pour qu'il avoue. Mais cette pression, on peut la faire sur le gardé à vue pendant qu'il est aux toilettes, pendant qu'il dort n'importe où, en dehors des interrogatoires, bien sûr. Alors, il faudrait filmer l'intégralité de la garde à vue, ce serait ingérable. Adriano Arrujo da Silva réitère ses aveux devant le juge d'instruction et devant le JLD, mais 2 mois plus tard, il se rétracte. Absolument, mais ça, c'est un peu le jeu, c'est un truc assez classique, parce que 2 mois plus tard, il a eu bien sûr contact avec son ou ses avocats, il sait qu'il risque très gros, et il invente une nouvelle version, ça ne tient pas la route une seconde. Cette rétractation ne change rien pour vous? Ça change absolument rien. Dominique, les inspecteurs vont vouloir savoir bien évidemment qui est Adriano Arrujo da Silva, ce qu'il fait, son enfance. Eh bien, Frédéric Adriano da Silva, c'est le père de 3 enfants qu'il a eu avec 2 femmes différentes. Il ne vit plus avec aucune des 2 au moment où on l'interpelle. Il a 34 ans et il a cette petite amie à laquelle, souvenez-vous, il va téléphoner pendant sa garde à vue. Côté professionnel, il a enchaîné des petits boulots. Il a tenté de monter une société d'installation de rayonnage dans des magasins. Voilà qui il est au moment où on arrête cet homme. Il est sans emploi. Il a une vie plutôt chaotique, alors? Oui, il a une vie chaotique. Il est né au Brésil d'une femme jeune qui avait une liaison avec un homme marié. Elle a eu Adriano, donc, de cette liaison avec cet homme marié. Et ce qui est assez curieux, c'est que cet homme, il va avoir en même temps un enfant, mais exactement en même temps, avec sa femme légitime et avec sa maîtresse. Mais sa maîtresse ne va pas lui dire qu'Adriano est né. Elle va aller cacher l'enfant dans une ferme chez des paysans où il va rester jusqu'à l'âge de 5 ans. Et un jour, elle lui avoue qu'il est le père de cet enfant. Et le père d'Adriano dit « je vais le récupérer ». Donc il va récupérer son enfant et pour lui donner une légitimité, eh bien, il va falsifier les papiers brésiliens d'Adriano et il va le faire passer pour le frère jumeau de l'enfant qu'il a eu avec sa femme légitime. Et l'histoire s'arrête là ? Non, l'histoire ne s'arrête pas là, Frédéric, parce que le père d'Adriano va se séparer de sa femme au Brésil, avec laquelle il a des enfants, et il va décider de venir vivre en Guyane et d'amener son fils, dont il va avoir la garde. Donc il arrive en Guyane avec son fils, mais ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, parce que être père, c'est un métier, papa, ça ne s'improvise pas. Et le gamin traîne des journées entières dans les rues de Cayenne. On lui donne à manger. La maman d'un de ses copains, d'ailleurs, qui s'appelle Pauline, et qui va s'attacher à Adriano, et qui va l'adopter, qui va aller voir le père d'Adriano, qui est d'accord, qui va lui donner tous les papiers, et elle va légalement adopter Adriano. Et comment ça se fait qu'il atterrisse au Mureau comme ça? Ben Frédéric, parce qu'il est français, donc il quitte la Guyane pour la métropole, il vient s'installer en métropole, parce qu'ici il y aura peut-être du travail pour lui, il n'a aucune formation, il a arrêté ses études en 4e, donc il arrive en 1998, comme c'est un costaud, il trouve un travail chez un déménageur, il a 23 ans, il a déjà 2 enfants en bas âge, son couple vole en éclats, il aura un 3e enfant en 2006. Donc voilà Frédéric, c'est peut-être dans cette enfance chaotique qu'il raconte, dans son curriculum vitae d'interrogatoire, que se trouve l'explication de son geste. Discret, solitaire, gentil,
tous les proches d'Adriano Arojo da Silva le décrivent de la même manière. L'une de ses ex-compagnes explique qu'il a longtemps représenté l'homme idéal pour elle. C'était une relation assez idyllique. C'était même une relation passionnelle. Il était tendre, il était attentif, affectueux. C'est quelqu'un de très doux, patient, avec qui on pouvait être assez facilement complice. Au dire de tous, Arojo était aussi un excellent papa. Et dans la cité des musiciens, tous ses voisins l'appréciaient. Franchement, un père exemplaire, en fait. Il était bien avec sa fille, c'est quelqu'un qui sortait dehors, il disait bonjour à tout le monde. Il avait le cœur sur la main quand il pouvait dépanner, il avait un camion de son boulot, il dépannait les gens. Et même moi, il m'a rendu service, c'est lui qui m'a emmené chercher mon canapé. Mais derrière le père modèle et le compagnon amoureux, une violence cachée, qu'Arojo a du mal à contrôler. Cette violence, elle est venue d'un coup comme ça. On était à la maison, en tête à tête, et en fait, j'ai reçu un SMS d'un ami qui était anodin. Et en fait, sans prévenir, il est venu, il m'a tapé de colère parce qu'il avait mal digéré le fait que je reçois un texto d'un autre homme. Il m'a donné une gifle qui m'a entraîné une entorse des cervicales. Et ce jour-là, l'ex-compagne d'Arojo ne l'a pas reconnu. Pendant la dispute, il s'est approché de moi et j'ai vu dans ses yeux qu'il était très en colère et ses yeux m'ont fait vraiment peur. C'était de la colère pure. Je savais qu'il était prêt à aller plus loin. Adriano Arojo aurait-il pu tuer sa compagne ? Maîtrise-t-il sa violence ? Toutes ces questions, la psychologue qui l'examine avant son procès se les pose. Et ce qui la frappe, c'est le rapport qu'Arojo entretient avec les femmes. Pour M. Arojo, la difficulté, c'est de tisser des liens avec les femmes sans être envahi par cette perception qu'il a eue tout petit, qu'une femme pouvait le délaisser, pouvait l'abandonner. Cette rancœur contre les femmes parce qu'elles l'ont abandonné serait à l'origine de ces accès de violence. Un rien suffirait à le faire exploser. C'est ce qui se serait passé avec Jeannette O'Keeffe. On peut se faire l'hypothèse d'une opposition de cette jeune fille ou d'une résistance ou de propos qui ont contrarié, je dirais, M. Arojo, et qui, au vu de sa personnalité, ça peut avoir suffi, finalement, à permettre que l'agressivité qui est accumulée pendant des années se déverse ce jour-là et donne lieu à un passage à l'acte d'une très grande violence. Mais Adriano Arojo da Silva ne peut pas éclairer davantage la psychologue, car il continue à nier. Le procès s'ouvre le 3 janvier 2012, 11 ans presque jour pour jour après le crime. Les parents de Jeannette sont restés en Australie, mais ses frères et sœurs, eux, ont fait le déplacement. Ils espèrent qu'Arojo da Silva s'expliquera, s'excusera. Malheureusement, le procès va tourner au supplice. Pour rien au monde, il n'aurait raté ce moment. Denise, Christine, Craig arrivent avec leur avocate tendue. Ce procès, ils l'attendent autant qu'ils le redoutent. C'est surréaliste, comme un mauvais film. Ce qui m'angoisse, c'est d'être tout près de lui, dans le tribunal. Adriano Arojo da Silva est incarcéré depuis 3 ans déjà. Ce procès, lui aussi, il l'attend. Car depuis qu'il est revenu sur ses aveux, il clame son innocence. Pourtant, à la barre, il est loin de se montrer combatif. L'accusé a fait un peu profil bas, c'est-à-dire qu'il marmonnait un peu dans sa barbe. Il n'était pas vraiment, il ne se défendait pas de manière insistante. En fait, il était assez absent, en fait.
un détachement qui, d'après son avocat, ne serait qu'apparent et cacherait bien autre chose. Malheureusement, Adriano Arrojo da Silva fait partie des gens qui ont vraiment beaucoup de mal à faire ressortir une émotion, à faire ressentir de la compassion, de la tristesse. Or, je crois que ce n'est pas du tout quelqu'un qui ne ressent rien, c'est quelqu'un qui a du mal à transmettre ce qu'il ressent. Depuis qu'il conteste ses aveux, Adriano Arrojo da Silva s'en tient à la même version. Il aurait rencontré Jeannette sur les Champs-Élysées, aurait eu une relation sexuelle avec elle, puis tous deux se seraient disputés. Arrojo l'aurait mise à la porte de chez lui avec son sac de couchage. À ce moment-là, on est dans une possibilité que la victime fasse à la sortie du domicile d'Adriano Arrojo da Silva une mauvaise rencontre. C'est une version qui, pour moi, est tout à fait crédible et cohérente. Adriano Arrojo da Silva rejette donc la faute sur les policiers. Il a avoué, car les enquêteurs lui ont mis la pression. Moi, j'étais très à l'aise puisque maintenant, en matière criminelle, les auditions donc sont enregistrées et filmées. Donc, si la cour avait eu un doute concernant ses aveux, la cour avait tout à fait la possibilité de faire visionner l'enregistrement de l'audition. Mais la cour n'a pas de doute sur le travail de la brigade criminelle. Les choix de la défense passent pour une provocation. Et au dernier jour d'audience, Adriano Arrojo da Silva aggrave encore son cas. L'accusé est parti dans une sorte de monologue un peu bizarre où il a raconté une version inédite des faits, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il avait rencontré Jeannette O'Keefe dans le train et qu'elle lui avait fait directement des avances à caractère sexuel et qu'il aurait commencé à avoir des relations sexuelles avec lui dans les toilettes du train. Il va donner des détails sur des actes sexuels dignes d'un film pornographique. Il utilise un langage très vulgaire, salissant la mémoire de Jeannette O'Keefe, devant ses frères et sœurs en plus. Les gens étaient stupéfaits, ça a créé un vrai malaise en fait. Même son avocat était consterné par ses propos. Car lui aussi s'est fait prendre de court. Et il assiste impuissant au naufrage. La question de la position de la défense quand une personne fait des déclarations qui ne vont pas lui être favorables est une position qui est délicate parce qu'on gardera à la tête qu'il parle de la victime d'une façon qui n'est pas très acceptable. D'autant que jusqu'à la dernière minute de son procès, Arrojo n'aura aucun geste envers la famille de Jeannette. On attendait de Adriano Arrojo da Silva qu'il ait un mot d'excuse pour la famille, qu'il ait des regrets, qu'il avoue. On n'a eu droit à rien du tout. Il a donné un spectacle quand même de quelqu'un qui n'assumait pas ses responsabilités vis-à-vis de la famille qui était venue de l'autre bout du monde pour assister à cette échéance judiciaire capitale pour les parties civiles. Ça pose la question de l'empathie et de la compassion vis-à-vis de la victime, puisque nous sommes presque plus de 10 ans après la commission des faits, au moment des assises, et que 10 ans qui n'amènent pas une modification de la réflexion, c'est un peu inquiétant. L'attitude d'Arrojo est un coup dur de plus pour le frère et les sœurs de Jeannette O'Keefe. Il a eu la possibilité de sortir par le haut de ce procès à maintes reprises. Et même quand il a expliqué sa version de la vérité dans le train, il faisait semblant de s'adresser à nous, de nous regarder. Il a eu l'opportunité de montrer qu'il était un homme, mais il est horrible. Il se contredit tout le temps. On ne peut pas comprendre. Il n'y a pas moyen de lui faire confiance. Je n'ai aucun respect pour lui.
Au terme de 4 jours de procès, Adriano Arrojo da Silva est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assorti de 20 ans de sûreté. Arrojo annonce immédiatement qu'il fait appel. Monsieur Arrojo, vous allez faire appel ? Oui. Vous êtes innocent ? Je suis innocent, oui. Maître Arakelian, c'est vous qui reprenez la défense d'Arrojo da Silva en appel. Est-ce qu'il continue à nier les faits ? Il nie absolument l'ensemble des faits qui sont reprochés. Et il me dit que, bien évidemment, il va s'exprimer devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine et espère que cette fois-ci, la justice va l'entendre. Mais il a quand même avoué des aveux très circonstanciés. Ces aveux, ils n'interviennent pas dès le début de sa garde à vue. Ils interviennent au bout de la 4e audition dans des conditions que je qualifie de rocambolesques. Après une pause de 25 minutes, un appel téléphonique à sa compagne, et puis ensuite, il se rétracte. Oui, mais ils correspondent aux éléments du dossier. Alors là, je ne suis pas d'accord. Moi, je dis que ce n'est pas conforme aux constatations autopsiques. Je donne deux exemples. Monsieur Arrojo da Silva, lorsqu'il reconnaît les faits, évoque une pendaison. L'expert, le médecin légiste, exclut cette hypothèse. Monsieur Arrojo da Silva, lorsqu'il reconnaît les faits, nous dit qu'il a jeté le corps de la fenêtre de son salon, soit une chute de 13 mètres. Je n'ai aucune fracture squelettique. Mais le foie a éclaté. Tout à fait. Et ce corps qui chute de 13 mètres, je pose la question à l'expert, quelle est la vitesse ? Il me fait un calcul savant, 60 km/h. Est-ce que, monsieur l'expert, je lui pose la question, cette chute de 13 mètres à 60 km/h n'a pas pu entraîner automatiquement des fractures ? Il ne peut pas répondre à cette question, il est étonné. Oui, mais ils disent que le sac de couchage a pu amortir la chute. Là, j'ai envie de dire qu'on est prêt à me sortir tous les arguments possibles et imaginaires. Comment est-ce qu'on peut envisager ça ? Enfin, un sac de couchage, ce n'est pas un trampoline. Il faut être sérieux l'espace de quelques instants. Et l'ADN sous les ongles, qu'est-ce que vous en faites ? La quantité d'ADN que l'on trouve sous l'ongle de Jeannette O'Keefe, c'est une quantité particulièrement infime. Et l'expert dira et écrira dans son rapport que cela correspond à une main qui est passée dans les cheveux. Quel est le problème ? Monsieur Arrojo da Silva, il reconnaît une relation sexuelle avec Jeannette O'Keefe. Donc cet ADN, à mon sens, ne pose pas de difficulté. Le film des aveux a été diffusé à l'audience. Il n'apporte rien pour la défense, disons-le. Simplement, ce que je fais remarquer, c'est que moi, j'aurais aimé que ce dossier comporte le film de cette pause de 25 minutes et le film de cet appel à sa compagne, parce que là, on aurait pu éventuellement discuter sur ses aveux. Comment se passe ce procès en appel ? Ce que je comprends très rapidement, c'est que, bien évidemment, on va me parler des aveux, encore des aveux et toujours des aveux. Et je m'attendais à tout cela. Face à tout cela, j'essaye d'amener le débat sur les autres sujets, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un mobile ? Est-ce qu'il y a des témoins ? Quel est le mode opératoire ? Parce que, tout de même, si M. Arrojo da Silva est coupable des faits, il n'est pas stupide, M. Arrojo da Silva. Il aurait déposé le corps de Jeannette O'Keefe à 150 mètres de son domicile, dans son sac de couchage avec ses vêtements. Voilà. Donc j'essaye d'amener le débat sur un débat autre que celui des aveux, mais j'ai le sentiment que tout cela n'est pas très entendu. Et quel est le verdict alors ? Monsieur Arrojo da Silva sera condamné à une peine de 30 ans de réclusion criminelle, sans période de sûreté. Cathy Richard, 30 ans en première instance, 30 ans en appel. La peine est quand même très lourde. Vos clients en ont-ils conscience ? Oui, ils ont conscience que c'est une peine lourde. Une peine lourde qui est liée notamment à la gravité des faits, mais qui est liée aussi à l'attitude qu'il aura eue pendant ces deux procès. Arrojo da Silva n'a pas vraiment livré sa vérité. Selon vous et selon vos clients, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, c'est qu'on a une jeune femme qui se retrouve sans aucun repère. À ce moment-là, elle est sur les Champs-Élysées. Un soir de 31 décembre, tout le monde est heureux. C'est l'endroit, par définition, où les gens font la fête. Elle est là, elle a son sac à dos, ses sacs, elle est épuisée, elle est perdue. Et je pense que pour quelqu'un avec le profil d'Arrojo, qui a un profil de prédateur, il ne pouvait pas la louper. Il l'a forcément repéré. Il a fondu sur elle.
c'est un garçon qui peut être beau garçon, donc qui peut aussi inspirer confiance. On a vu à quel point il savait raconter n'importe quoi, donc je pense qu'il savait aussi bien raconter n'importe quoi quand il a été question de la mettre en confiance. Et je pense qu'il a proposé dans un premier temps de l'aider à se rendre chez la mère d'Élise, parce qu'il fallait prendre le RER, le train. La mère d'Élise, qui ne parlait pas anglais, lui avait expliqué en français, elle avait essayé de comprendre. Donc elle a vu en lui une aide précieuse. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Quel concours de circonstances, d'ailleurs. On a l'impression que tout converge vers cette fin terrible. Exactement. Elle rend son foyer, elle a son sac à dos, ses valises, elle est fatiguée, on sait même qu'elle est indisposée. Elle loupe sa meilleure amie, mais elle ne sait pas qu'elle l'a loupée, donc elle pense qu'elle l'a laissée tomber. Elle appelle au secours Anthony, qui lui donne un rendez-vous auquel il ne vient pas. Elle n'a plus d'argent, parce qu'elle est en fin de séjour. Elle n'a pas de téléphone. Tout a convergé pour qu'elle soit, à ce moment précis, dans un état de désespoir perdu. Et quelqu'un qui vient, à ce moment-là, lui tendre la main, s'il lui inspire confiance, elle ne pouvait qu'accepter cette main tendue. À un tout autre moment, ça n'aurait pas fonctionné. Et cette main tendue, c'était celle d'Arojo. Après sa condamnation, Adriano Arojo da Silva s'est pourvu en cassation, pourvoi rejeté.